Shalom, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria. Que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 23 avril, la Sainte Église célèbre Saint-Georges, soldat, martyr, patron des militaires, de l'an 280 à 303. Écoutons la vie de Saint Georges, une vie d'une extrême foi en son Seigneur. Saint Georges naquit à Lydal, en Palestine. Son éducation fut toute chrétienne. Il suivit la carrière des armes comme son père, et bientôt sa beauté, sa distinction, son courage l'élevèrent à la dignité de tribun militaire dans la garde impériale. Dioclétien, ayant rallumé la persécution contre les chrétiens, l'indignation de Georges éclata en face même du tyran, devant lequel il exalta la grandeur du Dieu véritable et confondit l'impuissance des fausses divinités. Sa noble audace lui mérita le reproche d'ingratitude et des menaces de mort. Georges profita de ses derniers jours de liberté pour distribuer ses biens aux pauvres et affranchir ses esclaves. Ainsi préparé au combat du Christ, le tribun aborde l'empereur lui-même et plaide devant lui la cause des chrétiens. Jeune homme, lui répond Dioclétien, songe à ton avenir. Je suis chrétien, dit Georges, je n'ambitionne ni ne regrette rien dans ce monde. Rien ne saurait ébranler ma foi. Il est alors battu de verges, puis il subit l'affreux supplice de la roue, après lequel un ange descend du ciel pour guérir ses blessures. Quelques jours après, le martyr reparaît plein de vie en présence de l'empereur qui le croyait mort. Il lui reproche de nouveau sa cruauté et l'engage à reconnaître le vrai Dieu. 3 jours, il est abandonné sur un lit de chaux vives. On lui met ensuite des chaussures de fer rougies au feu. On lui fait avaler un poison très violent. Georges, par la grâce de Dieu, subit toutes ces épreuves sans en ressentir aucun mal. Plusieurs païens même se convertissent à la vue de tant de merveilles. Reconduit de nouveau dans sa prison, l'athlète invincible de la foi vit en songe Jésus-Christ descendre vers lui. Georges, lui dit-il, en lui présentant une couronne de pierres précieuses, voilà la récompense que je te réserve au ciel. Ne crains rien, je combattrai avec toi demain et tu remporteras sur le démon une victoire définitive. Le jour suivant, Dioclétien tâcha d'ébranler le martyr par des flatteries. Conduisez-moi devant vos dieux, dit Georges. On l'y conduit, croyant qu'il va enfin sacrifier. Parvenu devant la statue d'Apollon, il fait le signe de la croix et dit : Veux-tu que je te fasse des sacrifices comme à Dieu ?
La voix du démon répond, « Je ne suis pas Dieu. Il n'y a de Dieu que celui que tu prêches. » Et en même temps, la statue tombe en poussière. Le peuple s'enfuit épouvanté et l'empereur vaincu, humilié et furieux, fait trancher la tête au martyr. Saint Georges, une véritable vie de sainteté, modèle à imiter aujourd'hui dans nos communautés. À tous ceux qui portent le précieux prénom de Georges, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez saints comme votre saint patron. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour le Saint du jour.